À la maison, at home, tu cries à Dieu. You cry to God. Pour le salut de ta famille. For the salvation of your family. Pour la délivrance de ta famille. For the deliverance of your family. Quand tu te réveilles, when you wake up, tu cries. You cry to God. Seigneur, Lord, exauce-nous. Answer us. Quand nous sommes ici, while we are here, c'est le combat spirituel. It's the spiritual warfare. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Parce que dans la parole de Dieu, because in the word of God, Dieu frappait les ennemis. God struck the enemies. Lui-même. Himself. Mais son peuple. But his people. Menait des combats sur le terrain. Facing battles on the ground. Dans le texte que nous avons lu. In the word that we read. Dans 2 Samuel. The second book of Samuel. David a combattu contre les Philistins. David fought against the Philistines. Bien que le Seigneur ait déjà renversé les rois qui étaient sur leur chemin. Though the Lord already overthrew the kings who was on their way. Donc Jésus est là. So Jesus is there. Il a vaincu Satan. He has overcome Satan. Mais nous sommes ses frères. But we are his brothers. Pour mener les combats. To go through the fight, il the a battles. Dit, il a dit. He said. Comme le Père m'a envoyé. As the Father sent me. Moi aussi je vous envoie. I too send you. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus. So when you give your life to Jesus. Tu donnes la vie au combat spirituel. You give your life to the spiritual warfare. Le repos. The rest. Sera au ciel quand Jésus va nous prendre pour aller pour nous introduire dans le repos éternel. We'll be in heaven when Jesus will take us and introduce us in the eternal rest. Si quelqu'un te dit que les combats sont finis, il est un fils du diable, il te trompe. If someone tells you that the battle, the wars are over, he is a son of a devil, he's deceiving you. L'apôtre Paul a dit. Apostle Paul said. Notre lutte. Our fight n'est pas contre la chair et le sang. It's not against the flesh and the blood. C'est contre les princes, les méchants it's esprits against the princes, dans les lieux célestes. The wicked spirit in the heavenly places. C'est contre les esprits méchants. It's against the wicked spirit. Dans les abîmes, dans les déserts. In the abysses, in deserts. C'est contre les monstres. It's against monsters. C'est contre les esprits de mort. It's against the dead spirits. Et même contre la mort elle-même. It's even against death itself. Say amen. Dis amen. Say amen. Dis je proclame. Say I proclaim. Que ma lutte. That my struggle. N'est pas contre les hommes. Is not against human beings. C'est contre les démons. It's against the demons. Les esprits méchants. The wicked spirits. Dans les lieux célestes. In the heavenly places. Dans les territoires. In the territories. Dans les abîmes. In the abysses. Dans les eaux. In the waters. Dans le séjour des morts. In the Hades. Dans les grands rochers. In the great rocks. Dans les forêts. In the forests. Dans les savannes. In savannas. Etc. Etc. And so on. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et les armes que nous utilisons. And the tools, the weapons that we are using. Sont les armes de Dieu. Are God's weapons. Sont les armes de Dieu. Are God's weapons. Comme nous allons le voir ce soir. As we are going to see this afternoon. L'ennemi. The enemy. Ne veut pas que tu avances. Doesn't want you to move forward. Dans tous les domaines. In any kind of field. Spirituellement. Spiritually. Matériellement. Materially. Financièrement. Financially. Émotionnellement. Emotionally. Le plan du diable. The plan of the devil. C'est de te bloquer. Is to block you. Le prince satanique qui dirige les activités du diable dans ta famille. The satanic prince which directs the works of the devil in your family. Ne veut pas que tu t'épanouisses. Doesn't want you to rejoice.
C'est un principe spirituel. It's a spiritual principle. Les Jébusiens avaient dit. Jebusite said. David. N'entrera point ici. Won't enter here. Jamais. Never. Ça peut toucher tous les domaines. It can touch any field. Les démons peuvent dire. Demons can say. Que tu n'auras point d'argent. You will never have money. Ils peuvent dire. They can say. Il ne guérira jamais. You will never heal. Ils peuvent dire. They can say. Il ne trouvera jamais un emploi. He will never find a job. Ils peuvent dire. They can say. Il ne va jamais se marier. He will never get married. Ici. Here. Relis ce verset. Read it again. 2 Samuel 5, 6 à 10. Second book of Samuel, 5, from 6 to 10. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem. The king went with contre les Jébusiens. On Jerusalem against the Jebusites. L'avantage ici, c'est que David attaque. The good thing here is David is attacking. Ce n'est pas qu'il est assis là attendant que l'ennemi vienne le provoquer. It is not that he is sitting there waiting for the enemy to come and attack him. Ce qui allait même arranger l'ennemi. What will be at the profit of the enemy? Parce que le plan de l'ennemi, c'est que tu n'avances pas. Because the plan of the enemy is for you to not move forward. Donc il a barré le chemin. So he blocks. De telle sorte que quand tu dors, tu ne lui crées aucun problème. So that when you are sleeping, you don't create any problem to him. Tu facilites son travail. You easy his work. Continue. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David. Mais toi, David. Tu n'entreras point ici. Tu n'entreras point ici. Car les aveugles mêmes et les boiteux te repousseront. Car les aveugles mêmes et les boiteux te repousseront. Because the blind and the lame will cast you. C'est-à-dire que nous venons contre toi. Personne ne reste à la maison. Tout le monde va sortir, même les infirmes, même les boiteux, les aveugles. It means we are coming against you. No one will stay at home. Everybody will come against you. Even the blind and the lame. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. En fait, on dit que cette expression voulait tout simplement dire que ici, là, non, non, pas question. They say this way of speaking wanted to say that David will never enter this place. C'était une manière de jurer. It was a way of swearing. Une manière de dire qu'on ne va rien épargner. His men will spend nothing. David, à Jérusalem. In Jerusalem. Il va, ça confirme sa royauté. This confirms his mightiness. Sa suprématie. His mightiness. No. Beaucoup ont été ruinés. Men have been ruined. Par des esprits méchants. By wicked spirits. Les sorciers. Witches. Qui ont dit. Who said. On va voir. We'll see. Au début, ça ne te disait rien. At the start, it doesn't maintenant, matter. Chaque année qui to passe. Now, every year, te fait réfléchir. Que, on m'avait dit que on va voir là. Ça peut être sérieux. You think, hein? I was told I will see. This can be serious. Cette vieille maman m'avait dit qu'on va voir. This old mommy told me that I will see. Ce vieux papa m'avait dit on va voir. This old father told me we'll see. Est-ce que ce n'est pas ce que je suis en train de voir maintenant? Is it not what I'm facing now? Donc beaucoup ont perdu cette bataille. So many lost this battle. Mais David n'a pas perdu ça. But David did not lose it. Toi-même tu n'as pas encore perdu. You yourself has not yet lost. Nous allons traiter ce dossier ce soir. We are going to treat this file tonight. Le dossier est ouvert devant nous. The file is open before us. On va voir. We'll see. La première chose, c'est cette phrase-là, on va l'enterrer. Tu vas dire que la terre s'ouvre et que cette parole entre dedans. The first thing is that we'll bury this word. Et we'll ask the earth to open. Proclame qu'un être humain n'est pas Dieu.
And this word will go into heaven. And you proclaim et that au nom de Jésus, is not God. And in the name of Jesus, tu vas demander que la terre s'ouvre. You will ask the earth to open. Que cette phrase soit enterrée. And this word should be buried. Dis, je proclame. Say, I proclaim que la volonté de Dieu, that the will of God, c'est que je fasse des progrès dans ma vie. Is for me to make progress in my life. Que j'aille de gloire en gloire. That I go from glory de progrès to en progrès. From progress to progress. Dis, je proclame. I proclaim que c'est Dieu lui-même, that is God himself, qui a instauré le principe de la croissance. Who set the principle of c'est growth. Dieu lui-même. Is God himself, qui a bénis l'homme who bless avec la capacité de grandir, with the ability to grow, de grandir physiquement, to grow physically, de grandir spirituellement, to grow spiritually, de grandir émotionnellement, to grow emotionally, de grandir psychiquement, to grow psychologically, tous les domaines de sa vie. Any field of his life doit connaître la croissance. Should not grow. Ses avoirs doivent croître. Doivent s'accroître. His goods must grow. Ses avoirs doivent s'accroître. His goods must grow. Ses possessions doivent s'accroître. His possession must grow. Dis au nom, tiens-toi debout. Please stand up. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Si quelqu'un t'a maudit, enterre ça maintenant. If someone cursed you, bury it now. S'il a fait ça en cachette, if he did it when he was hidden, dis, je saisis, say, I take toute phrase négative, any negative word, symbolisant la malédiction, symbolizing curse, prononcée en quelque lieu que ce soit, pronounced everywhere, par les êtres, by people, vivants, des êtres humains vivants, by human being, living ou par des esprits de mort, dead spirit, toute phrase, every word, symbole de malédiction being a et de destruction, and destruction, que la terre s'ouvre et engloutit ses paroles au nom de Jésus et que les effets soient anéantis, qu'on ne les entende plus contre moi that we never hear them au nom again de Jésus-Christ. Continue à prier pour toi-même. Keep on praying. Tu débarrasses les mauvaises paroles des hommes contre toi. You tu te débarrasses des mauvaises paroles des hommes contre toi. Of any bad word, les mensonges. Bad word, les mensonges contre toi. The lies against les you, calomnies contre toi. The lies against you. Enterre-les. Bury all of them. Enterre les mensonges. Bury the liars. Enterre les calomnies. Bury all the liars. Enterre les médisances. Bury all the bad words. Continue à prier. Keep on praying. Lève ta main droite. Put up your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je bannis. I banish. Les conséquences des calomnies contre moi. The consequences of any lies against je me. Je bannis. I banish. Les conséquences des mensonges contre moi. The consequences of any lies against me. Je bannis. I banish. Les conséquences des malédictions humaines contre moi. Of human curses against me. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je bannis. I banish. Les conséquences des vœux des hommes contre moi. The consequences of people wishes continue against à prier, me. Continue à prier. Keep on praying. Ora baka shara baka la shara baka la shara baka. Ora baka. Lève ta main droite. Put up your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je bannis. I banish. Tous les projets méchants contre moi. All the wicked, the bad projects against continue me. À prier. Keep on praying. Gora baka jara baka go baka jara baka go jara baka go jara baka. Yere baka la baka sheka la ka baka. Gora baka la baka sheka baka la. Ara baka la kasha baka la baka la baka. Gora baka la baka. Lève ta main droite. Put up your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je frappe. I struck. Tout esprit qui a été invoqué contre moi. Any spirit which has been called against me. Je détruis. I destroy. Je frappe. I struck. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Tout esprit any spirit qui a été invoqué contre moi. Who has been called
against me. Je frappe. I struck. Tout esprit frappe, 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 ne laisse rien de vous. Struck. Dis je frappe, je frappe. Strike. Je disperse. Je disperse. Je les traite comme David a traité les Jébusiens. And I treat them as dis esprit méchant. Je vous traite comme David a traité les Jébusiens. Continuez à frapper, frapper tous ces humiles. Prions en langue. Let's pray in tongues. Prions en langue. Pray in tongues. Lève ta main droite. Put up your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. J'envoie le feu. I send the fire. Contre tout objet enterré contre moi. Against any kind of thing. J'envoie le feu. Against me, I send contre fire. Tout objet. Against anything. Enterré contre moi. Hurried against me. Continue à prier. Keep on praying. Fabriqué contre moi et jeté dans les eaux. Tout ce qui a été fabriqué contre moi est jeté dans l'eau. Everything that has been made against me. J'envoie le feu de Dieu. In water. Continue à prier. Lève ta main. Put up your hand. Dis-toi méchant esprit dans les lieux célestes. So you bad spirit in the heavenly places. Frappe-le bien parce que depuis depuis qu'on prie là, on se concentre sur les esprits de mari de nuit, les esprits de mort, mais il y a des armées strike dans les lieux célestes. La première chose, c'est de le frapper, qu'il morde la poussière. And the spiritual husband. Tu dis, tu ne resteras pas là-bas. Descends, il tombe par terre. You won't remain up. Come down. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus Christ. Que toute puissance. Any power. Dans les lieux célestes. In the heavenly places. Contre un seul d'entre nous. Against only one. Soit renversé. Should be overthrown. Soit renversé. Should be overthrown. Puissance démoniaque. Agissant dans les lieux célestes. Devilish power. Contre un seul des enfants de Jésus. Against contre ceux que Jésus a sanctifiés et qu'il a purifiés par nos sangs précieux. Nous te renversons. Nous te jetons dans la poussière. Tu ne te relèveras plus. You will never stand up. Continue à prier maintenant. Ura bakasara bakasara baka ura bakasara baka na bakasara baka
Du nom de Jésus, in the name of Jesus, nous descendons dans les eaux. We go nous frappons tous les esprits des eaux. Nous frappons tous les esprits des eaux. Nous libérons tous les captifs. We set all the captives et nous free. Libérons tout ce qui a été volé. And we take back all continue that à prier, continue stolen. À prier. Lève ta main droite. Put up your right au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous frappons et dispersons. Strike and scatter. Toute l'armée de Satan. All the army of Satan. Qui s'oppose à notre progrès spirituel. Which oppose to our spiritual progress. Toute l'armée de Satan. Any army of Satan. Envoyé pour s'opposer au progrès spirituel. Sent to come and oppose our spiritual nous progress. Nous frappons et nous dispersons. Strike and scatter. Nous proclamons la victoire you de Jésus. Continue à prier, continue à prier. Keep on praying. Ora baka jero baka go baka jero baka go baka jero baka. Ora baka jero baka jero baka jero baka jero baka. Ora baka jero baka jero baka go baka jero baka go baka jero baka. Ora baka jero baka go baka jero baka jero baka jero baka. Ara baka sava ara kasa baka. Ara baka la baka sira baka. Ora baka sika baka. Ara baka sika baka. Ora baka sara baka shaka baka. Ora baka lika baka sama kara masama kara masama. Kere masika kere. Ora baka sika baka. Ora baka sika baka. Lève ta main droite, dis au nom de Jésus. Nous brisons toutes les barrières. Nous balayons les obstacles. Nous les brûlons par le feu du Saint-Esprit. Continue à prier, continue à prier. Keep on praying. Ora baka la baka jere baka jere baka. Ora baka jere baka go jere baka go. Ora baka jere baka go jere baka. Ora baka jere baka go jere baka go jere baka. Ora baka jere baka go jere baka. Ora baka jere baka go jere baka. Uraga baka jer baka kara baka jer baka uraga baka jer baka goba jer baka uraga baka jer baka goba jer baka uraga baka jer baka kara basama kara masema kara maseme kara maseme kara maseme kara maseme kara maseme uraga maseme kara masa kara masete re baka sana uraga baka se kari baka kara masina uraga baka se re kalta kara masai iria baka sama re ra glory dan basama uraga baka la ba dir baka kara ma uraga baka. Lève ta main droite. Put up your right hand. Et nous levons contre les phénomènes de la nature. So we rise against the phenomenon of nature. Tout ce qui est dans la nature. Everything which is in the nature. Qui s'oppose à la volonté de Dieu contre which oppose God's nous. Will qui s'oppose à la volonté de Dieu pour nous. Which oppose God's will for us. Soit renversé. Should be overthrown. Dit la nature doit se soumettre au dessein de Dieu. The nature must submit. To God's purposes. La nature doit se soumettre au dessein de Dieu. The nature must submit to God's purposes. Si tu construis une maison, le vent ne doit pas venir jeter ça en brousse. If you are building a house, wind should not come and put it down. Les inondations ne doivent pas venir détruire tout ce que tu as fait depuis que tu es né. Flood should not come and destroy all that you did since you are born. C'est une force de la nature. It's a strength of the nature. L'ennemi peut l'organiser. The enemy can organize it. Et le Seigneur peut l'envoyer. And the Lord can also send him. Même quand send le Seigneur envoie, si tu dis, oh Dieu, pardonne-moi, il arrête. When God send it, if you say, oh God, forgive me, he stops. Quand c'est les démons, when it's his demons, c'est la violence, la méchanceté. And wickedness. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tout phénomène de la nature. Any phenomenon of the nature. Même ton corps ne doit pas être désorganisé. Les cellules ne doivent pas se promener en désordre. Even your body should not be disorganized. The things in your body should not be in disorder. Par ce sujet, beaucoup seront guéris du cancer. By this subject, many will be healed from cancer. Parce que la prolifération désordonnée, c'est ça qui produit les cellules de cancer. Because the increase, the disordering increase in your body is tout doit se soumettre.
Everything must submit. Rien ne doit se désorganiser contre toi. Nothing should be disordered against you. Le sang ne doit pas sortir des narines, des oreilles. Blood should not come from your nose, in your ears. Les menstrues ne doivent pas couler sans arrêt pendant 12 mois. Your menstrual should not flow without stopping during 12 years. Tout doit être ordonné. Everything should be ordered. Selon les desseins de Dieu. According to God's purposes. Prions ensemble. Let's pray together. Dis-nous, jugeons tout phénomène naturel qui se désorganise contre nous. Which is disorganizing against us. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Aucun phénomène naturel ne doit s'opposer au dessein de Dieu should oppose God's purposes pour chacun d'entre nous. For each of prions ensemble. Let's pray together. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est désorganisé soit réorganisé. Selon le dessein de Dieu, selon le dessein de Dieu, que les cellules indépendantes, déréglées, s'organisent, se soumettent à la loi de Dieu, et que toutes les maladies qui en découlent soient guéries, et que les règles, les pertes de sang continuent, soient arrêtées, au nom de Jésus-Christ. Que des carences en spermatozoïdes soient abolies au nom de Jésus-Christ. C'est le moment où chacun peut demander sa guérison. It's time everyone should ask for demande ta guérison. Ask your healing. Si tu n'as pas de spermatozoïdes, if you don't have sperm, demande. Ask. La nature va se soumettre. The nature will submit. Tout va devenir normal. Everything will be normal. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Si tu n'ovules pas, on t'a dit que tu n'ovules pas. Who do not ovulate. C'est un désordre. It's a disorder. Tu dois ovuler. You must have ovule. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Ora baka shoba ka reka baka shoba ka ora baka reka kere meta ereka 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 rapa ereka 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 ora baka jere baka ereka ereka que tout soit organisé. Que tout reprenne la vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout reprenne la vie. 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 De la tête. From head. Jusqu'à la plante des pieds. Toes. De la tête. From head. De la tête. From jusqu'à head. La plante des pieds. Ora bakashara bakashara bakashaka baka. Ora bakashaka bakashaka baka. Ora bakashaka bakashaka baka. Ora bakadaka bakadaka baka. Ora baka. Ora bakadaka baka zuru baka zere baka. Ora baka zere baka hara baka zere baka. Ora baka. Ora baka zere baka laka zere ala baka zere baka laka zere baka. Ora baka laka. Lève ta main droite. Right Dieu, au nom de Jésus, nous restaurons la gloire de Dieu dans chaque corps. We restore God's glory in every la gloire de Dieu dans les yeux. The glory of God in hearts. La gloire de Dieu dans les oreilles. The glory of God in la gloire words. De Dieu dans la gorge, dans la langue. The glory of God la gloire in de Dieu dans les narines. In the nostrils. La gloire de Dieu dans l'estomac. In the stomach. La gloire de Dieu dans l'utérus. The glory of God. La gloire de Dieu dans le cœur. In the heart. Dans la vessie. In the vessie. Dans la vessie. La gloire de Dieu. The glory of God. Dans l'appareil urinaire. La gloire de Dieu. Glory of God. Dans l'appareil de reproduction masculin. Dans l'appareil de reproduction masculin. La gloire de Dieu. Dans l'appareil de reproduction féminin, la gloire de Dieu, la vie de Dieu, la santé de Dieu, la santé de Dieu. Nous déracinons tout ce que Dieu n'a pas planté en l'homme. Au nom de Jésus, que tout cela soit déraciné. We uproot everything. Déraciné. Uproot everything.
et que les Jébusiens qui ont juré qu'il n'y aura point de guérison soient dans la confusion totale. Soient dans la confusion totale. Qu'il y ait la guérison de la tête jusqu'à la plante des pieds. Guérison de Dieu. Guérison de Dieu. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Esprit en langue, prie en langue. Asseyez-vous. Président. Qui a une vision authentique à dire? Who has a vision to share? Pour rester concentré. Remain focused. Il y en a qui arrangent leur bagage lentement. There are people who are preparing their stuff. Ils ne peuvent pas arrêter. Ils sont obligés de faire les affaires, d'arranger les affaires pour partir. They are forced to pack their stuff and go. Nous pouvons écouter une vision claire. We can listen to a clear vision. Peut-être la personne est en train de dire, si c'est moi. Que le pasteur insiste. Maybe the person is saying, if it's me, I want the pastor to insist. Mais je sais que Dieu a montré des choses. I know God has shown things. Moi, je les ai sentis dans l'esprit. I felt them in my spirit. Je veux quelqu'un qui les a vus en vision. I want someone who saw it in a vision. Oui, donnez-le le micro. Gloire à Dieu. Quand le pasteur a dit, frappons dans les airs. Frappez bien, les demeures coussant en haut. Frappez bien. Et quand on a commencé à frapper dans les airs, j'ai vu des démons qui tombaient au milieu ici, qui sont foulés aux pieds. Ils tombaient dans la poussière. Il tombait beaucoup et puis on le foulait au pied. C'est ce que j'ai vu. Oui. Qui d'autre? Ça, c'est une vision authentique. C'est pour la première fois depuis qu'on était seul. Le Saint-Esprit m'a dit, vous ne frappez pas ceux qui sont vous. Vous êtes concentrés sur les abîmes, les... Pour le faire, Sam, since we are, ce jour des morts, il y a une grande délivrance. Mais le Spirit told me, you are concentrated on la conséquence people, immédiate sera une connaissance révélationnelle de Jésus. The consequences will be a revelational knowledge of Jesus. Parce que les principautés qui sont dans les lieux célestes bloquent la communion avec Dieu. Ils font des bruits pour qu'on
pour qu'on ne connaisse pas Dieu. Because the principalities which are in the heavenly places block our communion, our fellowship with God. Ceux qui avaient reçu le don de prophétie qui l'ont perdu, ils seront restaurés. People who received the gift of prophecies and lost it, they will be restored. Certains vont faire des méditations profondes. Some will have deep meditations. C'est-à-dire une compréhension parfaite des Écritures. It means a perfect knowledge, understanding of the words. Parce que les bruits là sont finis. Because the noise have stopped. Même les sujets de prière. Even the prayer topics. Tu auras une intelligence divine pour concevoir les sujets de prière. You'll have a divine intelligence to conceive, to create prayer topics. Il arrivera que quand quelqu'un te pose son problème. It will happen that if someone shares his problem with you, tu lui dis, prie comme ça, prie comme ça. You will tell him, pray this way, pray like this. Et il viendra te dire qu'il a prié, ça a marché. And he will come and tell you that he prayed the way you show him, and it works. Oui, parle. Alléluia. Quand j'ai fermé mes yeux, je voyais comme le feu, le petit feu quand il descend sur nos têtes. Ça descend sur nos têtes. C'est comme si c'était la pluie même qui venait. Et puis ça chauffait mes mains, ça chauffait mes pieds. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lis le verset 9 et 10. Read verse 9 and 10. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Amen. 2 Samuel chapter 5. From verse 9 and 10. David then took up residence in the fortress and called it the city of David. He built up the area around it from the terraces inward, and he became more and more powerful because the Lord God Almighty was with him. Amen. Amen. Tu vas t'établir dans le progrès. You will settle yourself in progress. Beaucoup ont connu le progrès. Many experienced mais progress. Ils ne se sont pas établis. But they did not settle themselves. Ce n'est pas Dieu qui va t'établir. It is not God who will settle you. Lui il te donne la victoire. He gives you the victory. Tu dois t'asseoir. You must sit. Toi-même, tu écris ton nom sur la ville. Yourself, write your name on the town. Cité de David. The city of David. Cité de Boniface. The city of Boniface. Tu mets ton nom. You put your name. Personne ne va effacer. No one will clean it. C'est ça la foi. Toi, tu penses que la foi, c'est quoi? This is faith. What do you think faith is? Tu penses que le diable barre la route? Pourquoi? What do you why was the devil blocking the way? Tu penses que tes ennemis ne veulent pas voir quoi? You believe your enemy don't want to see what? Cette chose que l'ennemi ne veut pas voir. This thing the enemy doesn't want to know. C'est ça ta principale richesse. It's your main riches. Prends. Take it. Tu écris ton nom dessus. And write your name on it. Comme ça, avant que quelqu'un ne vienne se débrouiller pour voler. So that before someone comes. Il lit d'abord ton nom. And steal it. He first read your name. Et ton nom seul devient la barrière. And your only name becomes the barrier. Il est dit que quand l'héritier est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. When the heir is still a child, he is not different from a slave. Écris ton nom dessus. C'est comme write ça que your les name on font. It.
This is how people do. Les enfants ne savent pas. The children don't know. Que c'est important. That it's important. Mais toi tu sais. But you know. Donc écris ton nom dessus. So write your name on it. Et tu t'établis. And you settle. Et dans tes combats, and in your battles, c'est cette zone-là que tu protèges. It is this area that you protect. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Garde jalousement tout ce que Dieu te donne au prix des combats. Keep all that God gives you in any battle. Une sœur avait une maison, elle voulait vendre. A sister had a house, she wanted to sell it. Je connaissais son témoignage. I knew a testimony. Je lui ai dit ne vends pas. I told her don't sell it. On ne vend pas les butins de guerre. We don't sell things that we get in wars. C'est ça qu'on montre. There are what we show. C'est comme la tête de Goliath, ça on montre. It's like the head of Goliath. We show it. Prends 5 minutes. Take 5 minutes. Pour prier que tu ne veux pas, tu ne feras pas un pas à reculons. To pray that you won't go back. Tu dois progresser. You must go, you must move consciemment. Forward. Consciously, sachant que tu as déjà cassé tout, knowing that you have already broken everything, et que tu as écrit ton nom, that you have written your name. Il y en a qui frappent l'ennemi et puis ça s'est à côté de l'ennemi. There are people who strike the enemy and sit near it. Non, on ne fait pas ça. No, they don't do like this. David a arraché la forteresse. David took the fortress. Il n'a pas partagé la forteresse avec les ennemis. He did not share the fortress with his enemies. Qu'il a deux chambres et ils ont peut-être trois chambres. That he has two bedrooms and there are three bedrooms. On arrache la forteresse. You take the fortress totally. Ne crains pas, l'ennemi est déjà à terre. Fear not, the enemy is already down. Et c'est par la foi. Lis pour nous. It is by faith. Ephésiens chapitre 3, verset 16 et 17. Chapter 3, verse 16 and 17. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Amen. I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Amen. Amen. Écoutez. Listen. Afin que so that Christ habite en vous, Christ dwells in you par la foi. By faith. Vous voyez ça? You see. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Je suis en train de vous dire que chacun doit s'établir dans le territoire qu'il a arraché. I am telling you that everyone should settle himself in the territory that he has grasped. Ça se fait comment? How does it work? Est-ce que c'est en dormant ici? Is it by sleeping here? Non. En croyant que tu es déjà assis dedans. No, it's by believing that you are already settled in it. You just believe. Dieu fait le reste. And God does the rest. Donne-moi la chaise là. Ton travail. Your work. C'est de croire. Is to believe. Que là où tu es là. That where you are, tu es assis dans la forteresse que tu viens d'arracher. You are sitting in the fortress that you have just taken. Tu crois. You believe. Dieu va l'accomplir. God will accomplish it. Tu verras. C'est ça qu'on appelle la foi.
You will see, this is what we call faith. Il dit, afin que Christ habite en vous par la foi. Certains cherchent Jésus, ils ne savent pas que Jésus habite en eux. He says, et comment faire pour savoir qu'il habite en toi? Crois seulement qu'il est là. He says, in order that you believe that Jesus dwells in you, you must just believe that he dwells in you. Si tu as des pensées qui te font croire que tu n'es pas un enfant de Dieu, if you are false, which make you believe that you are not a child of God, Christ habite en toi là où tu es assis là. Christ dwells in you where you are. Le combat qu'on vient de mener là. The battle that we have just done. Dieu a déjà exaucé. God has already granted it. Que personne ne te trompe, c'est ça qu'on appelle la foi. La foi. Let no one deceive you. This is what we call faith. Une femme a dit à Jésus, a lady les told petits enfants, Jesus, non, the les petits chiens, pardon, les petits chiens peuvent se rassasier des miettes qui tombent de la table des enfants. The small dogs can eat the pieces that follow from, that fall from the table of the children. Jésus avait fait quelque chose tel que si on t'avait fait ça, tu allais seulement mourir. Jesus did something that if they did it to you, you would die. Elle voulait la guérison de son enfant. She wanted the healing of a son. Jésus lui dit que je ne suis pas venu pour les étrangers, je suis venu pour Jesus les enfants d'Israël. I've not come from the strangers. Vous voyez ça? I've come from the children of Israel. Il dit qu'on ne peut pas prendre la nourriture des enfants, on donne aux petits chiens. How can we take the food of the kids and give it to small dogs? Si on te dit ça, tu vas commencer. Le Seigneur m'a rejeté. If you are told the same, you will just weep and say, the Lord has rejected me. Elle est restée calme. She remained calm. Elle dit, Seigneur. And she said, Lord. Les petits chiens. The small dogs. Peuvent se rassasier des miettes qui tombent quand les enfants ont déjà mangé. Can eat the pieces that fall from what the children has already eaten. Jésus l'a regardé. Jesus looked at her. Dit, femme. Say, lady. À cause de cette parole que tu viens de dire là. Because of the word you have just said. Le démon est sorti. The demon is going out. C'est ça qu'on appelle la foi. This is what we call faith. Tu n'es plus le même. You are no more the same. Même si tu te couches et tu rêves que tu n'es pas, que tu es le même, il faut refuser. Dis even if you sleep and dream and you are the same, Satan, refuse. C'est le songe de Satan. Ça, c'est le songe de Satan. You say this is a dream of Satan. Tu auras le discernement. You'll have discernment. Le diable ne pourra plus te tromper. The devil won't be able to deceive you. Vous avez écouté le témoignage ici hier. Un frère fuyait. Je ne sais pas s'il est là. Il fuyait sa chambre. A brother used to. L'odeur arrive. Il sort, il fuit. To flee his room because of the odor. Or, c'est le début de la folie, la dépression. It was the start of depression. Satan est méchant. Satan is weak. Dis, je crois. Say, I believe. Que j'ai arraché ma forteresse. That I've taken my fortress. Je crois. I believe. Que je me suis établi. That I have settled myself. Personne ne peut me l'arracher. No one can take it from me. C'est ça qu'on appelle la foi. On n'oublie jamais. C'est ça qu'on appelle la foi. Que personne. This is what is called faith. Never forget. Jésus dit. Jesus says. Si tu demandes quelque chose. If you ask something. Si tu crois que tu l'as reçu. If you believe that you have it. Tu la verras s'accomplir. You will see it coming. Donc la demande. So the request. Est important. It's important. Mais ce n'est pas déterminant. But it's not all. Nous pouvons demander mille choses là, mille. We can ask many things. C'est bon. It's good. Mais ce n'est pas ce qui est déterminant. But it's not the main thing. La chose déterminante. The main thing. C'est de croire. Is to believe. Que tu as reçu tout ce que tu as demandé. That you have received all that you asked. Tu vois que quand tu penses même comme ça, toi-même tu commences à traîner les pas. When you believe like that, you start even slowing your pace. Ça veut dire que c'est là que se trouve la bénédiction.
It means that it's where your blessing is. Que tu as une plaie qui ne guérit pas. You have a wound which is not healing. Et tu es assis dans la foule. And you are in the crowd. On te dit, tout ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu. What we have asked, we received it. Pendant ce temps, un petit micro pique la plaie. Piam, pam. So by this time, on te dit que non, tu as reçu la guérison. You say, no, I've received a healing. C'est ça la foi. This is what is called quand faith. Tu vas te coucher, when you go and sleep, tu regardes, you look, ça a séché. It has dried. C'est ça qu'on appelle la foi. This is what we call faith. C'est pour cette raison que quand on fait les délivrances, là, vous allez remarquer, quand les gens croient, le diable vient piquer là où il y a le mal, il fait plus qu'avant. Pour que tu ne crois même pas. Il This pique même encore fort. Mais ceux qui restent fermes sont délivrés. Acclamation à Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Tiens-toi debout. Please stand up. Donc, tu as 5 minutes pour t'établir. You have que five tu rentres à la maison to settle en disant, yourself. Tu peux rendre témoignage que j'ai arraché la forteresse. While going home, you can give your testimony j'ai and say, mon nom. I have taken my fortress, I have written Et my name on it. Je m'y suis établi. And I settled myself. Les conséquences vont venir, ça c'est Dieu. The consequences, the result will come. Il s'est rendu témoignage, il s'est vendu les choses au marché. Petit commerçant de piment et de A sister used to sell papers Maintenant, in markets. Subitement, elle roule dans Hyundai combien? Suddenly, she's driving a Hyundai. On lui dit, c'est ta voiture. And she said, it is your car. Une affaire de millions. A matter of millions. Quand elle parle même, tu te dis, est-ce qu'elle est venue nous tromper ou bien dit la vérité? When she's speaking, you ask yourself, is she deceiving us? This is what we call miracles. Ça va vous arriver. It will happen to you. Prions ensemble. Let's pray together. Dis, je m'établis, je m'établis, je m'établis. Say, I settle myself, settle myself. Continue à prier, continue à prier. Keep on praying. Merci, Seigneur. Amen. Thank you, Lord. Qui a un témoignage de délivrance ou de guérison tout de suite, viens rendre à ce moment. Of deliverance or healing right now. Si un démon a été chassé, viens vite rapidement. If a demon has been casted out or you have been healed, surtout come quickly. Les gens à qui on chasse les démons, là, beaucoup ont peur, ils ont honte même de dire. Ils disent, je ne me suis plus trouvé. Au lieu de dire que je suis tombé quand le démon, ils disent, je ne me suis plus retrouvé. Alléluia. Je m'appelle Konankisi Brigitte. Mon faisant de disciple, c'est l'ancien Cyprien de Daokro. Je voulais dire merci à Dieu pour la vie qu'il a accordée à ma fille. Il faut dire que nos hier, quand on priait, un coup, elle a commencé à pleurer, elle voulait vomir. Mais elle n'a pas pu vomir. Après, elle a commencé à pleurer. Quand les gens qui prient pour les gens sont venus, je les ai dit et puis ils ont pris pour aller prier pour elle. Au moment où ils étaient en train de prier, quand ils ont fini de prier, elle dit, elle a vu que non, il y avait une boîte, que non, il y avait son cœur là-dedans. Son cœur était dans la boîte. Donc, quand elle a vu, elle n'a pas vu le visage de la personne, mais ils ont déposé la boîte et puis quelqu'un est venu prendre la boîte et puis la personne a ouvert la boîte et puis il a mis son cœur là dans sa poitrine. Donc, c'est dans ça, ils ont fini de prier et puis elle est venue. Donc, on s'est apprêté même pour partir aujourd'hui. On a fait tous nos bagages. Matin même, elle se sentait bien. Maintenant, elle dit qu'elle va se reposer un peu. Quand elle s'est couchée, après, je vois qu'elle commence à tousser. C'est ça, je l'ai réveillée. Je dis, ah, tu as quoi? Elle ne parlait pas. C'est dit, on va te lever, tu as les vomis, si tu as envie de vomir. Quand elle s'est réveillée, là, il y a ma vie mourir. C'est ça, les pasteurs sont arrivés. Nos pasteurs étaient en train de se promener pour nous demander si on était prêts pour partir. Quand ils sont arrivés, net, là, la scène a commencé. Ils ont commencé à prier pour elle. Quand ils ont commencé là, ma fille est devenue faible. Le pasteur attrape la tête de ma fille là, je regarde. Sa tête là, ça tourne. Et finalement?
ça tourne. Et après, elle était morte. Elle était couchée, même son cou était devenu dur. Et un coup, quand ils ont commencé à prier, où elle est revenue en elle, là, on lui demande il y a eu quel problème. Elle dit au moment où elle était couchée là, c'est comme s'il y a eu fer qui a quitté en haut là-bas, qui est venu la piquer ici. Fer qui l'a piqué, il avait un médicament dedans. Donc, médicament là, c'est venu vers quand ils ont mis médicament, c'est comme serin, quand ils ont mis là, c'est venu dans sa gorge. Au moment où elle vomissait, elle dit sa gorge, qu'ils ont attrapé sa gorge, il y a ces médicaments là. Donc, vomissement qu'elle a fait là, c'était noir. C'était noir. Donc, quand je l'ai vue, elle était couchée, j'ai supplié Dieu de la réveiller. Et moi, où je suis là, j'ai honte même de rendre témoignage. Mais j'ai dit à Dieu de réveiller ma fille, qu'aujourd'hui, cette honte-là allait tomber. Et par la grâce de Dieu, elle s'est réveillée. Depuis le matin où la scène s'est passée, là, elle a dormi jusqu'à c'est maintenant même, je viens de la réveiller. Et puis, on est venu à la prière. Donc, je voulais dire merci à Dieu pour la vie qu'il a accordée à ma fille. Mais quand on venait, son papa dit qu'elle n'a qu'à rester là-bas. Ça, il a dit à son papa qu'elle n'a qu'à venir. Si elle restait là-bas, là, ben, qu'on allait nous appeler pour nous dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, je voulais dire merci à Dieu pour la vie qu'il a accordée à ma fille. Amen. Amen. Moi, c'est la sœur Math. On faisait les disciples, c'est Yolo Denise. C'est hier qu'on priait. Ça fait des années, depuis 2005, j'ai remarqué que sur mon épaule ici, il y avait une boule depuis 2005. Cette boule-là, elle est là. Elle grossit de jour en jour. Maintenant, quand on est venu à la croisade ici, depuis le vendredi, quand le pasteur, le leader commence à prier, je touche et je prie dans mon cœur pour que cette boule-là disparaisse. Quand le pasteur prie et puis il dit les maladies, les boules, les bosses n'ont qu'à disparaître, à chaque fois qu'on prie, je touche. Et hier, quand on priait, quand le pasteur priait, donnait le sujet, on priait. Je n'ai pas touché d'abord. Quand on a commencé, j'avais touché. Maintenant, quand on priait, je n'avais plus touché. Quand on a fini, et puis il a dit amen, je partais chez ma nièce là-bas, et j'ai touché. Quand j'ai touché, je vois, je ne sens plus la boule. Alléluia. Alléluia. Et j'étais avec ma fille, je lui ai dit, ah Diana, il faut regarder la boule qui était là, la bosse qui était là, il faut toucher. Elle touche au. La boule, ça a disparu. Acclamation. Let's clap. Ce soir, je vais dire merci. Je m'appelle la sœur Bilet Alida Deborah et j'adore commencer chez le pasteur Léon. Je vais dire merci à Dieu parce que ça fait 3 ans que je suis dans cette maladie. Il m'a guéri du bégaiement. Je ne parlais pas bien. Et tout à l'heure, lorsque papa a dit, on va poser la main où ça en a mal, et j'ai posé. Quand on est là à prier, il a commencé à tousser très fort et je ne pouvais plus encore me retenir. Et maintenant, j'ai constaté que Jésus m'a guéri. Jésus-Christ.